Bon matin à toutes et tous, eh bien on se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Comme vous le savez, hein, pour toutes celles et ceux qui me suivent, moi je termine avec vous le vendredi. Eh bien nous sommes le vendredi 8 mars 2024. Alors, la petite philosophie de ce matin, avoir de l'argent, c'est formidable, n'est-ce pas ? Pouvoir s'en passer sans amertume, voilà la vraie victoire. Petite philosophie de ce matin pour être heureux. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé l'ange de la confiance. Eh bien oui, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez un manque de confiance, vous n'avez pas confiance en vous. Pourquoi ? Pourquoi n'avez-vous pas confiance en vous ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ? Peut-être que c'est dans vos croyances limitantes, c'est pour ça que vous n'avez pas confiance en vous. Peut-être qu'on vous a rabaissé quand vous étiez petite, petit, et que vous n'arrivez pas à avoir confiance en vous. Mais vous devez faire ce travail pour pouvoir, eh bien, avancer dans votre vie ici terrestre. Faire la paix avec vous-même, avoir de l'assurance. Alors, avance. Avance avec foi et dans la certitude que ton chemin sera jalonné de fleurs et de merveilles ainsi que de leçons et de défis qui te rendront fier et plus fort et purifié. Alors pourquoi pas aujourd'hui semer des graines pour demain, tels que, eh bien, tels que tes rêves les plus beaux te dictent. Au plus profond de ton cœur, qu'est-ce que tu voudrais au plus profond de ton cœur ? Sème ces graines, fais en sorte que cela soit possible. Aie cette assurance que tu es capable de le faire. Dépose à chaque pas les semences de ton amour afin de, eh bien, de cultiver de majestueux jardins. Avance, avance dans la confiance, car tu es le maître de tes pensées et de tes émotions. Alors encore une fois, tu as en toi tous les bons outils afin de surmonter les défis que tu rencontreras sur ce chemin d'apprentissage, parce que, évidemment, tu es ici comme apprenti. Nous sommes ici pour évoluer, pour apprendre. Alors la confiance absolue en ta destinée, c'est elle qui te dirigera dans ce beau jardin de la paix, dans ce jardin de la paix de ton âme. Alors si tu as perdu confiance en toi, reprends confiance en toi. Il est grand temps aujourd'hui de reprendre confiance. Tu en es capable. Tu es le chef. C'est toi qui décides. Veille à garder ton cœur, eh bien, dans cette belle sérénité et dans cet équilibre de celui qui sait que tout est toujours parfait, qu'il est toujours au bon endroit, qu'il est un être éternel et que sa vie ne s'arrête pas au bout du chemin. Elle continue. Reprends confiance en toi. Travaille sur cette confiance que tu as perdue ou que tu n'as jamais acquérie. Demande à ton ange de t'aider, à ton ange gardien de t'aider. Il ne demande pas mieux, tu sais.
de venir à ton aide et de t'aider. Donc, demande-lui, s'il te plaît, d'avoir cette paix intérieure, cette belle assurance et avoir cette belle foi en toi. Demande-lui. Et il se fera un plaisir de t'aider. Waouh, quel beau message, n'est-ce pas, pour terminer cette semaine. Je termine avec l'affirmation positive. Je prends le temps d'accepter et de comprendre les émotions qui me traversent. Je prends le temps d'accepter et de comprendre les émotions qui me traversent pour pouvoir les laisser partir, n'est-ce pas? Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end avec nos anges. Et puis, dans l'amour inconditionnel. Et prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent et de ceux que vous aimez. Et on se retrouve dans une prochaine capsule. Et d'ici là, eh bien, je vous embrasse tout fort et je vous dis à très vite.